Hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue où on retrouve notre belle Ayuwa, tout beau, tout bronzé et en petite tenue de bain puisqu'il passe quelques jours de vacances à Sulani au soleil puisque sinon monsieur est beaucoup trop blasé s'il reste trop de temps chez lui. Et donc, on l'avait découvert faisant du jet ski et plutôt doué, hein. Il vous a quand même impressionné, hein. C'est un homme très impressionnant. Et il vous en a... Ouh là, il est parti, il est là. Et il vous a un peu étonné, voilà, avec son petit jet ski, il s'éclate. Mais je pense que c'est la compétence fitness qui fait que aussi il puisse faire autant de choses. Voilà, comme ça par exemple. Franchement, c'est l'éclat total, hein. Et bon, il est 18h30, je sais pas ce qu'il va faire encore de ses journées. À part glandouiller ou séduire une nouvelle proie. Je sais pas du tout s'il a repéré des sirènes dans le coin. Alors il y a des dauphins, mais alors les dauphins, je pense pas qu'il puisse se les ramener dans son lit. Et puis pour les demoiselles, bah ça a l'air d'être assez mort quand même à Soulani. Très très mort quoi même, je dirais. C'est triste. Regardez-moi ce paysage magnifique, ce coucher de soleil, cette nuit qui tombe, ces tons de bleus et de pourpre. Et lui s'éclate. Il ne s'arrête jamais, quoi. Je sais pas comment il va faire, mais dans son manoir, il aura le temps de se faire chier, parce que... Malheureusement, il y aura bien une piscine. Mais pas de jet ski. Bon, on a ramené... Viens, viens là. Sors de ton truc. On a ramené le jet ski à côté, comme ça il pourra faire joujou quand il veut. Comment dire? Meuf, c'est toi qui dois nous masser en fait. Allô? Bonjour? La meuf, elle arrive, je vais demander un massage et... Un petit aromathérapie là. La meuf, elle s'allonge direct quoi, wesh. Oh bah oui, parce que Ayuwa étant riche à millions, il s'en fout. Lui, commande des masseurs à 23h, hein. Fait ce qu'il veut en même temps. Bon, je pense que j'ai un petit souci de table de massage. Peut-être que ça ne marche plus. Au fait, il arrive. Voilà, ça ne marche pas du tout en fait. On peut commander un masseur, mais pas recevoir de massage. Eh ben, c'est tant pis. Tu vas aller quand même te coucher. Et on demandera à quelqu'un d'autre de te masser, moi, mon coco. Allez, je suis désolée. Dors bien. Ouais. Le réveil est un peu moins charmant que d'habitude. Il fait un peu froid ce matin. À Solani. Donc c'est pas très cool. Tu vas me prendre des restes. Des restes qui sont consommables, hein, yo. Hein. Ouais. Bah en plus, ouais, je pense pas que ton homme de ménage va passer. Mais écoute, s'il fait moche et froid, qu'est-ce que... Mais non, tu vas pas boire un coup. Mais qu'est-ce que c'est que cette aventure alors? Je t'ai demandé de manger un truc. Bon, ok, Ayoa. T'as du pancakes là. Allez, tu vas manger des pancakes. Non, non, non. L'alcool, c'est pas maintenant. C'est pas à 8h du matin. Oh. Écoutez, du coup, il va faire un petit peu de peinture. Le temps de voir si du monde passe dans le coin. J'ai l'impression que ben Soulani est décédé, hein, même les habitants. Il n'y a strictement personne. Mais quel enfer! Hein? Voilà, on va peut-être pouvoir se bouger quelque part, mais je ne sais pas où. En attendant que la vie revienne. Oh bah ça va! Tu peux l'admirer! Et tu peux la vendre, tiens. Bon, ça va, hein? J'en connais qui font pire que ça. Bah voilà, il y a de la vie! Ah, tu me diras, il est tout bleu, alors je sais pas s'il est presque mort de froid ou si c'est un alien celui-là. Bon, bah écoutez, on va se balader, on va aller au bar. Oh, de la vie! Oui? Ah, j'ai connu plus endiablé, hein. Les petits piou-piou, ils passent dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux qui se baignent presque entièrement dans l'eau? Ils sont bizarres, ceux-là. Parce que d'habitude, les oiseaux, ça flotte. Ils sont complètement dans la flotte, quoi. Eh ben, belle clientèle, hein? Des vieux et des bizarres qui se billent en furry. Ouais. Bon, ça a toujours été le truc d'Iowa d'aller fouiller dans les... Enfin, dans fouiller, tout simplement. Donc, pourquoi pas aussi fouiller dans le sable, après avoir fouillé dans la terre de Sulani.
trouvé quelques coquillages, peut-être. Eh ben non. Regardez, regardez ça. Pas mal, la demoiselle. Original. Pas mal. Regardez-moi ça. Iowa à l'œuvre. En même temps, hein. Qui pourrait résister à un beau mec comme lui, là? Qui vous accoste dans un bar, près de la plage? Ouais, tout le monde succombe, tout le monde. Bon, je pense qu'il y en a un qui est jaloux, il est là. Je sais pas. Fallait être au taquet, hein, tu sais, mec, on t'interdit pas de parler aux feuilles et aux filles, hein. C'est à lui que je parle. Mais Iowa est là, quand Iowa est là, tu t'en vas, quoi. Parce qu'il les emballe toutes. Hein. Décidément, maintenant c'est lui qui l'observe en disant « Ah, vas-y, comment il fait pour draguer une fille Je vais peut-être pouvoir faire pareil, moi aussi. » Ouais, tu peux toujours rêver, mon gars. Oh là là. Bon, j'avoue que de profil, elle est pas terrible. Hein. Elle est mieux de face que de profil, cette fille. Mais ça fait passer le temps. Iowa, il aime bien. Voilà. Profitez de ses vacances. Il y a de la chair un peu partout, de la chair fraîche partout, quoi. C'est déjà la fin des vacances dans un jour. C'est pas drôle. Oh, bébé. Ne pars pas sans avoir le goût de ma langue dans la bouche. C'est dégueulasse dit comme ça. Tu vas lui réciter des poèmes d'amour. Malheureusement, on ne peut pas se la choper là, comme ça, dans le coin. Il n'y a pas d'endroit où faire des crapulades. Ni même de buissons. Donc, c'est la tristesse. Ouais, du coup, il retourne à son premier amour. Fouiller dans le sable. Allez, c'est la fête. On a réengagé un DJ vedette. Et quelques amis, dont notre ami Jackie. Voilà, voilà. Allez, on va discuter un peu avec tout le monde. Et puis, te demander à toucher le bébé. Ah bon? Ah mince! Mais c'est Renata, il a fait crac-crac avec. Ça fait un peu peur, non? Heureusement que je sais que c'est pas le tien, mon petit Ayo. Hein. Moi, je décèle quand même que cette demoiselle, une ado en plus, je la connais pas. Ayo non plus. Donc c'est un peu abusé, et la meuf, elle s'est incrustée, mais bon. C'est comme ça. Mais elle aussi, elle est enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces fines sims qui sont enceintes, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est quand même un peu un fail. Parce que j'ai invité la petite Amandine, là, qui l'a embrassée tout à l'heure, et elle est pas venue. Donc c'est dommage. On va devoir se contenter de Jackie. Remarquez, pourquoi pas? Oh, il est moins sexy que d'autres. Mais bon... Voilà. On va pas faire les difficiles. Il a son charme, Jackie, regardez. Moi, je sais que dans les viewers, il y aura des fans. Et ça va, mon Jackie? Et ça te dit si on comparait nos styles de danse? Ah oui, oui. Par contre, moi, je ressemble à une mouche hein, quand je danse. Je dis ça, mais... tu le sais déjà. Alors, le duel va commencer. Oh, aïe, wow, mais purée, mais celui-là, mais il en met plein la vue, hein. Ouais, Jackie, ouais, il se défend, Jaco, hein. Oui, le petit déhanché, tout ça, mais bon, j'ai l'impression qu'Iowa, quand même, est un peu meilleur, hein. C'est juste une impression, comme ça. Oh, bah non, le DJ se barre. Oh là là, que des arnaques, ces DJ. Déjà, ils arrivent... Bah, celui-là, il est arrivé à la bonne heure, mais... Quand je fais une vraie fête, ils arrivent jamais à l'heure qu'il faut. Pfff! Quelle arnaque. Et du coup, ben, il fait un duel de danse avec Renata sans musique. C'est de l'air dancing. C'est une nouvelle compétition. Mais Iowa, tu fais quoi dans les... Ah ouais, backflip et tout! Mais qu'est-ce... Mon dieu, il est malade, il a attrapé la danse de Saint-Guy. Pourquoi tu nous fais une danse... Oui, mais je t'ai pas demandé ça, en fait. Ok. Ouais, comme par hasard, Jackie, il y restait. On se demande pas pourquoi, hein. Il a vu clair dans ton jeu, Iowa. Comment ça, tu aimes pas Iowa?
Bah, tu sais, tu vas te barrer de là, ça ira tout aussi bien. Parce que j'étais justement en train de me dire, faut pas déconner à un moment donné. Jackie, ça reste Jackie, hein. On n'a pas envie de l'avoir dans son lit. Du coup, une fois n'est pas coutume, Iowa ira dormir seul cette nuit. Voilà. Et il en est plutôt taise, apparemment. Bon, ça va? Belle grasse mat, 10h30 du matin. Oh, il fait beau. Va respirer un peu le bon air, là. Regarde la mer comme elle est belle. Allez, Iowa. Voilà. On dirait qu'il est super content de voir la mer, alors qu'il est juste super content d'être célibataire. Tu vas me prendre un bon petit bain? Et puis, écoute, tu feras un footing. Oh ouais, je veux que tu ailles faire un footing. Un bon petit footing sur la plage. Voilà. Ça a tellement l'air kiffant de courir, de faire son footing. Du moins, chez les Sims, hein. C'est toujours plus facile pour eux que pour nous qui sommes le cul vissé sur une chaise devant un ordinateur, quoi. Moi, je fais du footing par procuration, mais ça me fait pas mes rires pour autant. Mais il fait un sacré tour, quand même. Il fait un super tour de footing. Ah, la fin des vacances dans 4 heures. On est dimanche. Est-ce que ça vaut le coup de rester un peu? Moi, bon, je pense. Hein. Parce qu'après, de toute façon, il va être blasé et... Et ouais, on va rester, je pense. Une journée. Voilà, footing terminé. Il va chercher des petits trucs de coquillage. Bon, on est dimanche, il n'y a personne qui viendra faire le ménage. Bon, écoute, après, si tu veux... T'as trouvé les doigts de Soulani, c'est cool. Tu nous feras une toile classique. Et puis, après, tu iras profiter un peu du soleil, vu qu'il fait beau aujourd'hui. Et chaud. Ah, quelle magnifique œuvre d'art, Iowa. Ouais, j'en suis bouche bée, même C, D jusqu'à Z, je crois, là. Enfin, je voudrais pas faire d'anacolute, mais... J'en reste pantoise. Allez, pour faire plaisir aux vieweuses et aux viewers coquins. Spoutsi! Iowa se dort la pilule et la zouzette aussi. Hey! Il vient juste de récupérer son non-bronzage. Donc il est temps de se recolorer un peu tout ça. Bon, il va pas kiffer parce qu'il fout rien, mais je veux qu'il récupère un beau petit bronzage. Peut-être pour partir à Salvadorada. En tout cas, pas de coup de soleil sur la zézette, hein, Iowa. On sait jamais. Oh! Est-ce qu'on prolonge la location des merveilleux récifs d'un jour? 600 simflouz. Bien sûr. Bien sûr que oui. Ah, ça y est. Voilà! Il va qu'il s'ennuie. Oh, bah t'as récupéré un beau bronzage, mon biquet. Allez, tu vas aller nager un petit peu, va. Voilà, nu, tu peux y aller. Ça fera du bien aux zizi d'être trimballé partout. Éclate-toi, Iowa. Bon, là, il est resté en mode à poil. En même temps, il a bien raison, il n'y a personne. Mais au pot de vis-à-vis. Tranquille, quoi, hein. La zboubette à l'air, franchement bien, quoi. T'as bien raison, Iowa. Il va appeler son petit Amandine. Bien sûr, il va s'habiller. Hein. J'ai pas envie qu'il lui fasse peur. Voilà, tu vas bien t'habiller parce qu'elle va arriver. Voilà. Il est content. Vas-y, va te refaire une beauté un peu, là. Parce que elle, dès qu'elle arrive... Voilà, quoi. Oh, bah d'accord. La meuf, elle trace direct... Bah, oui, d'accord. Bah écoutez, moi, si tous les gens qui venaient chez moi faisaient directement la vaisselle, la vie serait plus belle. Ah, ça commence à les blaser. Raconte-lui une petite... Ouais, voilà, ça va aller mieux comme ça. Sois sympa. Comment s'est passée la journée? Et après, c'est pas non plus avec la fille avec qui... Tu vas passer ta vie, donc tu vas vite embrayer. Hein. Voilà, histoire de... What? What? Elle veut même pas que tu l'enlaces? Mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? On va l'enterrer vivante dans le sable si ça continue. Hein. Elle est sérieuse, elle. Elle est sérieuse, elle veut pas d'Ayoa. Hein. Mais qu'elle est folle. Mais qu'elle est folle. Bah!
C'est elle qui le drague, d'accord, ok. C'est elle qui veut prendre les commandes. Ah ouais, je vois, je vois, je vois. Vas-y, drague-la, drague-la, drague-la un petit peu, hein, vas-y. Un petit baiser suave, tout ça. Voilà! Ça va aller comme ça. En fait, elle est relou, tu vois? Elle a besoin d'avoir un peu plus que les autres. Hein? T'inquiète, on les a eus, les autres. Voilà, il fallait y aller, laisser la température monter tout simplement. Et où elle va? Mais bon sang! Oh bah dis donc, quel magnifique pyjama, très sexy mademoiselle. Voyez, on s'était comme une anguille celle-ci, hein, quand vous pensiez l'avoir chopée, elle arrivait à se glisser entre vos doigts. Mais Iowa, il a des grosses mains bien fermes. Et il a quand même réussi à l'attraper pour de bon. À croire que ses journées ne l'épuisent même pas. Il est 1h30 du matin. Il a peine, enfin, il a pas de fatigue. Alors qu'il m'a fait un footing, il a nagé. Pff, incroyable ce type. Ouais. 7h30 du matin, Iowa. Tu vas payer tes factures. Apparemment, elles viennent d'arriver. Tic, tic, tic. 13 000. 150. Puis tu vas manger un petit truc. Et on sera bien. C'est un petit matin brumeux, un peu frais, hein. Donc, bon, le petit footing qui va bien. Et puis, je pense qu'on va retourner à la maison, normalement, aujourd'hui. Ah, c'est bien parce qu'on est lundi. Ça veut dire qu'il aura le temps de remettre ses affaires en ordre mardi à la maison avant de repartir mercredi pour Salvadorada. Donc, c'est bien. Bon, il lui reste que quelques heures. Alors, on va profiter pour se faire redorer la pilouette et les castagnettes au soleil. Allez, ça fait 1 heure au soleil. On va nager un peu. Je sais pas s'il va être encore plus bronzé ou pas. Non, pas spécialement. Bon, en tout cas, profites-en pour nager. Là, c'est une belle grande piscine naturelle. Elle est bien mieux que celle que t'as chez toi. Faire un petit peu aussi de plongée. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tu m'étonnes qu'il ait peur, il y a un requin qui est passé. Cool. Ouais! Il y a un dauphin qui est sorti de l'eau. Il l'a pas appelé, hein. Promis, il l'a pas appelé. Se faire examiner par un dauphin. Bon, bah t'as pas l'air de lui plaire. Ton asticot, il était pas assez appétissant. Oh, s'il a fait des vacances! On va donc rentrer à notre bonne vieille maison à Winnenburg. Du coup, on est rentré. Tu vas entretenir le jardin, il a un peu une sale tronche. Hein? Et puis qu'il est beau, tiens. Tout bronzé, tout beau, tout frais. Avec. Mais ici, c'est l'automne, hein, c'est un peu moins sympa. Bon, bah, même s'il est chez lui, qu'il prend un bon petit bain, il a l'air quand même moins enjoué qu'à Soulani. Je peux comprendre. Bon, moi, ce qui est beau ici, c'est qu'on a des belles aurores boréales, quand même. Oh bah, super! À peine il est rentré à la maison qu'il se plaint déjà. Coincé à l'intérieur! Ennui et trop plein d'énergie! Vas-y, ça me saoule! Mais, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle l'a suivi jusqu'ici? Stalkeuse, va! Allez, pour vous dire au revoir sur cet épisode, en vous demandant bien sûr de commenter, liker et partager l'épisode et la chaîne, évidemment, comme d'habitude pour l'algorithme YouTube. Ah, Iowa va nous faire une petite simrumba. La semaine prochaine, on pourra retourner à Salvadorada. Trémousser ses fesses. Gagner encore des sous-sous. Affronter les temples, c'est dangereux. Et peut-être remplir nos collections. Va falloir, Iowa, hein, sinon tu vas mettre du temps avant de te caser. Hein. Allez, des gros bisous à vous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.